aujourd'hui, on va utiliser le mode histoire des Sims 4. Je l'ai jamais vraiment utilisé, je l'avais testé à sa sortie comme tout un chacun, mais j'ai jamais vraiment joué le jeu et fait le Sim en fonction de cette histoire-là. Si vous ne savez pas de quoi je parle tout simplement de ce mini-quiz juste ici que je n'utilise jamais et je pense qu'on est beaucoup à cliquer sur non merci quand on nous demande « Aimeriez-vous créer mon histoire ?» Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de créer le Sim ou la Simette en fonction de ça. Et écoutez, c'est parti. Bonjour, aimeriez-vous créer mon histoire ? Nous commencerons par un quiz de personnalité amusant. Ensuite, vous pourrez personnaliser mon apparence. D'accord. Commençons par une question facile. Quel est mon âge ? Alors, ça, je mets toujours adulte ou jeune adulte. Mais j'ai envie de voir avec personne âgée ce que ça peut faire. Pour moi, le meilleur moyen de me détendre, c'est un bon massage, la télévision en mangeant des aliments gras ou sucrés, la lecture. Je pense qu'on va s'orienter vers la lecture. La méditation est un excellent moyen de se détendre, particulièrement efficace dans un sauna. Je bois trop de caféine pour ça. Je vais mettre un excellent moyen de se détendre. J'ai une super idée de farce. C'est aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est de l'autodérision, je ne ferai jamais de farce à quelqu'un. Je pense qu'on va mettre de l'autodérision pour voir ce que ça donne, ça m'intrigue. La meilleure musique vient de la radio et jouer en live vient des jeux vidéo et jouer en live. Et donc là vous voyez ça coche au fur et à mesure l'aspiration, les goûts, etc. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Mes affaires, ma famille, ma réputation. Ma famille on va dire. Le soir j'aime regarder les étoiles avec des télescopes, regarder la télévision, préparer la suite de mon plan. Je vais mettre regarder la télévision. Le monde est en danger, qu'est-ce que je fais? J'enquête sous couverture, je tire profit des peurs des gens, c'est horrible. C'est moi le danger, oh my god, c'est tiré de Breaking Bad ça non? Je vais dire c'est moi le danger parce que je trouve ça hilarant. Mon intérêt pour la politique varie en fonction des séries télévisées médiévales et très développées est inexistant. On va mettre est très développé, hein, ça rajoute ici des traits de caractère, donc je sais pas ce que ça peut rajouter avec ça. Qu'y a-t-il pour le dîner? Des légumes, un repas complet avec trois plats, quelle importance, je mange seul, je vais mettre ça. Quelqu'un a tort sur internet, qu'est-ce que je fais? Je le troll, j'écris à son sujet sur mon blog, je débat poliment avec lui, on va mettre ça. Ok, nous avons cette Simette, alors nous allons voir ce que ça a donné. Et cela me fait plaisir de vous rencontrer, n'hésitez pas à m'attribuer un genre, à ajuster mon apparence et à sélectionner mes vêtements. Grâce à mon histoire de Sim, j'ai déjà des aspirations, des traits de caractère et des compétences qui ne peuvent pas être modifiées. Par contre, pourriez-vous me donner un nom? Oui. Alors, elle est dans la politique, ok, au niveau de sa carrière. Elle a la compétence violon, la compétence comédie et les fonds de départ sont élevés. Vous roulez sur l'or, waouh! Mais c'est super! Alors, elle est grande famille heureuse, c'est son aspiration, on peut pas la changer, vous voyez. Elle est proche de sa famille, froide et pitre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire de suite, cette Simette? Comment on peut l'appeler? Moi, j'ai envie de l'appeler Rebecca. Je sais pas pourquoi, on va l'appeler Rebecca. Nom de famille, je vais mettre au pif. Voilà, Rebecca Durand. Et grâce à sa personnalité et ce qu'on sait d'elle, on va devoir faire un petit peu son look, etc. C'est hyper amusant, je trouve. Alors, elle est dans la politique, elle aime le violon, la comédie, et elle est quand même assez riche. Alors, déjà, dans la politique, assez riche et quand même assez artiste, du coup. Moi, je la vois quand même avec une coiffure assez tirée, tu vois. Genre, dans la politique, faut qu'elle soit quand même assez classe. Je vais trier par texture et je vais mettre crépus à ce niveau-là. Ouais, il me faudrait quand même un truc comme ça, je pense. Un truc assez tiré. Bah, ça, au final, c'était pas mal ce qu'elle avait, mais je trouve que ça fait trop jeune, ça aussi. Donc, je pense que je vais rester sur mon premier choix qui était celui-ci. Voilà, ça lui irait très bien, je pense. Au niveau de la couleur de peau, je voulais un peu la changer parce que, je sais pas, je crois qu'avec mon Reshade, elle fait beaucoup trop orange. Ouais, je pense que je vais mettre celle-ci pour le coup. Et au niveau des détails de la peau, je vais lui mettre des petits cils à notre petite Rebecca. Voilà, comme ceci. Oh, ceux-là sont mieux quand même, hein. Accessoires, je pense que je vais lui mettre des jolies boucles d'oreilles. Je pense que je vais partir sur des perles comme ça, ou alors quelque chose du genre. Oh, ça c'est joli pour elle, non? Je trouve ça trop beau pour elle. Ou alors il y a ça aussi qui est magnifique, je trouve. Je pense que je vais lui mettre ça. Ouais, je sens que j'ai trouvé le look de Rebecca. Ouais, je pense que je vais trouver son style. Alors, je vais pas toucher à son apparence physique, hein. Je veux vraiment respecter le jeu jusqu'au bout et le physique que lui a donné le jeu. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Est-ce qu'on lui mettrait pas des lunettes? Ah, ça c'est une grande question. J'aimerais bien lui mettre des lunettes. Oh, ce serait cool. Attendez. On a celles-là qui sont vraiment pas mal. On a celles-ci. Celles-là aussi qui sont vraiment chouettes. Il n'y a pas de jaune parce que je voulais du jaune un petit peu. On a celles-là qui sont super cool. Ça rend super bien sur elle, bizarrement. Ou alors on a du plus classique. Ah, je pense que c'est celle-ci. C'est celle-ci qu'il lui faut. Au niveau du make-up, ma petite Rebecca, on va lui mettre un peu de contouring comme ceci. Rouge à lèvres. Est-ce qu'on lui met vraiment un rouge à lèvres ou pas? Oh, ça lui va bien. Ah ouais, ça lui va bien. Je vais lui mettre ça. Eyeliner, je pense pas. Et les yeux, j'aimerais bien mettre un truc un peu plus clair. Moi, un truc un peu comme ça. Ah, trop belle. Elle est belle. J'aime trop. Elle est trop quinoute. Ça, c'est trop clair par contre. Ouais, on va rester sur ça. Et les sourcils, est-ce que je laisse ça comme sourcils ou est-ce que je mets d'autres sourcils? Ah, voilà, comme ça, ça me semble mieux. Ce que je voulais faire par contre, je vais juste, hop,
hop, lui grossir un peu les yeux parce que tous mes Sims ont les yeux un peu plus gros que la normale. Donc voilà, pour Rebecca, c'est le même régime, la même sentence, on va dire. Elle aura des plus gros yeux. Et je la trouve trop mignonne. Bon, maintenant là, ta tenue, ça va pas du tout. Hein. Tu travailles dans la politique et t'es quand même assez fortunée. Donc là, je sais pas ce que tu nous as mis, mais ça va pas. Donc, politique. Bon, ça, ce serait un peu cliché de mettre ça. Hein. C'est le vêtement de la Agnès la dentelle. Donc on va lui laisser, ok? Rendons à César ce qui appartient à César. Rendons à Agnès ce qui appartient à Agnès, tout simplement. Ah! Ah! Oui! Non, c'est trop bien! Ah oui, ça lui va bien, ça. Mais du coup, faudrait lui mettre un collier, notre Rebecca. Ma petite Rebecca, peut-être ça t'irait bien? Non, ça te va pas bien. Ça, non. Les perles, je les comprends pas, on dirait des dents, donc je les aime pas trop. Je pense que je vais partir sur ça, vraiment. Ah, je sais pas. Bah, j'aime bien les perles, mais... Ouais, comme ça. Ouais, ok. En termes d'accessoires ici et de chaussures, alors, en tant que ongles, j'ai bien envie de mettre des ongles comme ça, mais ils sont trop grands. Mais je voulais, pour elle, des ongles un peu plus petits, donc ouais. On va partir sur ça. Hop. Non, là, c'est quoi? C'est orange que j'ai mis? Non, je voulais pas orange, je voulais jaune. Ouais, voilà, comme ceci. Oh là, elle est trop mignonne. En collant, alors je vais lui mettre des chaussettes comme ça, peut-être. Ouais, voilà. Et en chaussures, du coup. Ah, mais les collants, du coup, ça va pas. Après, c'est une petite mamie. Est-ce que je lui mets pas des chaussures plus confortables? Parce que là, ça a l'air compliqué à porter. Hein. Ah, mais ces chaussures, elles sont affreuses. Je les aime pas du tout. Après, si on enlève le leggings, voyons ce que ça donne. Ouais, non, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop le fait qu'elle porte ça. C'est quand même une femme qui travaille dans la politique. Enfin, faut qu'elle soit crédible, quoi. Alors, on lui met des petits talons comme ça, mais je trouve que ça fait trop. C'est trop bizarre. Ou des trucs comme ça. Mais là aussi, encore une fois, c'est haut, non? Ah, et puis depuis quand une mamie, elle peut pas porter des talons? Elle peut porter des talons, une petite mamie, non? Moi, je trouve qu'elle est trop mignonne comme ça. C'est génial. Regardez-la comme elle est chou. J'aime trop. Puis avec ça, voyons, on pourra carrément lui créer une histoire. Si vous faites le mode histoire en passant par créer un sim, vous pouvez carrément faire toute une vie avec elle, quoi. Je trouve ça super, super chouette. Et je trouve qu'on l'utilise pas assez. Et quand on n'a pas d'idée pour créer un sim, on devrait plus l'utiliser, ça. Parce que franchement, c'est chouette, c'est cool, c'est vraiment chouette. Je vais essayer de recréer un sim et cette fois, je vais faire un jeune adulte. Donc c'est parti, jeune adulte. Quel rôle jouerais-je dans un braquage? Le cerveau, les muscles, l'indic de la police. Le cerveau, je vais dire. Ce que mes voisins font. Vaut la peine d'être découvert par tous les moyens. Me regarde vraiment, en fait. Ne m'intéresse pas le moins du monde. J'ai trouvé une plante étrange dehors. Qu'est-ce que je fais? Je l'identifie, je l'évite, elle est peut-être vénéneuse. Je la mange. Je la mange, c'est hilarant. Ma culture et mes racines comptent plus que tout, un peu, mais je trace ma propre voie, très peu. Je vais mettre un peu. La nature, c'est merveilleux. À l'extérieur, je suis à l'intérieur. Là où vivent les grenouilles, berk. Je vais mettre ça. Les insectes et autres bestioles, ils sont fascinants. Non merci, ils ne font qu'un avec mère nature. Je vais mettre, ils sont fascinants. Le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Aller dans l'espace, travailler à mon compte, fabriquer des robots. Travailler à mon compte, j'ai envie de voir ce que ça donne, ça. Qu'est-ce qui est important pour moi lorsque je choisis un endroit où vivre? Montrer que je suis riche, avoir de l'espace pour inviter du monde, j'aime vivre en communauté. Je vais mettre ça. La fête est devenue totalement silencieuse. Que faites-vous pour qu'elle batte à nouveau son plein? Je raconte une blague, je mets toujours de l'ambiance, j'ouvre une bouteille de jus. Je vais mettre ça. Un foyer, c'est là où se trouvent mes affaires, là où est mon cœur, là où je me sens le plus en sécurité. Ok, donc là on a notre jeune adulte à ce niveau-là. Et donc elle est dans la criminalité, ok, au niveau de sa carrière. Compétence herboristerie, compétence charisme et fonds supérieurs à la moyenne. Vous avez quelques économies, ok, et elle c'était fonds de départ élevé, on est d'accord, ah oui. Donc elle veut être ennemie publique, elle est ambitieuse, délicate et gourmande. D'accord, c'est un joyeux mélange. Je vais retenter encore une fois en mettant un adulte, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vois des déchets partout sur la place, qu'est-ce que je fais? Je les ramasse immédiatement, j'essaie de ne pas en ajouter d'autres. Il y a une benne à ordures, elle n'est ni en feu, ni rien d'autre de ce genre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je réponds pas du tout avec mes propres convictions et mes propres réponses, hein. Je mets un peu au pif pour voir en fait que ça va ressortir au niveau des tris. C'est tellement romantique, c'est là où vont les déchets. Oui, c'est le moment d'aller chercher des trésors. Eh bien, je vais mettre, c'est tellement romantique pour voir. Il me faut un nouveau canapé. Quelle est ma solution préférée? Acheter un canapé, acquérir un nouveau canapé chez les voisins, fabriquer de nouveaux meubles avec de vieux objets, acquérir un nouveau canapé chez les voisins. Internet, c'est pour trouver l'inspiration, gagner de l'argent, dénicher des mèmes avec des lamas. À quel point ai-je envie d'être en contact avec l'eau? Je rêverais d'avoir des branchies. Oh, on dit branchies? Je disais toujours bronchies. Oh là là. Bah ouais, bronchies, bronchites, non? Eh, vas-y, je sais pas. Donc oui, je rêverais d'avoir des branchies, faire de la plongée avec un tube
tuba a l'air amusant, je préfère rester au sec dans mon bateau. C'est l'anniversaire d'un ami, qu'est-ce que je fais pour lui? Je lui prépare une boisson, je passe la soirée en ville avec lui, je n'ai pas d'amis, je vais mettre ça. J'ai trouvé un sandwich, mais je ne sais pas à qui il appartient. Je le mange, je le mets de côté, je le laisse, je le mange. À quel point est-ce que j'estime que le recyclage est un devoir? J'utilise, je recycle, j'utilise à nouveau. Je mets mon panier dans la poubelle de recyclage. Ah, mon papier, j'ai compris mon panier. C'est quoi le recyclage? J'ai envie de mettre ça au niveau du trait de caractère. Ma famille veut que je respecte les traditions. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Honorer les traditions est important. Je créerai mes propres traditions. Les traditions, ce n'est pas pour moi. Aux événements sociaux où je mets l'ambiance, j'apporte une guitare, je provoque des disputes. Ok. Oh, bah alors, on a monsieur un peu caliente, chaleur soleil, hein. Ok, on a carrière pêcheur, compétence pêche, compétence malice et fond de départ standard. Il veut être ennemi public, il est crasseux, solitaire et glouton. Ah oui, non mais vraiment, c'est une catastrophe. Alors pour le moment, je sais pas si c'est un bug, mais tous les Sims que j'ai créés via le mode histoire ont la peau foncée. Donc on va retenter une dernière fois. Non pas que ça me pose souci, hein. Franchement, voilà, si vous partez de ce principe-là, on va pas s'entendre. Mais j'ai envie de voir s'il y a un bug à ce niveau-là. Donc là, je vais faire ça en off, hein. Je vais pas vous redire les questions, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc là, je mets un peu au pif, on s'en fiche un petit peu. D'ailleurs, ça peut être assez intéressant de jouer comme ça à la loterie, tu vois, de pas savoir ce qui va arriver. Ok, encore une Simette avec la peau foncée. Est-ce qu'il y aurait pas un bug à ce niveau-là? Elle, elle est dans la carrière éducation, compétence jardinage, compétence charisme, ok. Extravertie, bienveillante et soignée. Je vais retenter une dernière fois, mais je crois qu'il y a vraiment un problème. Hop, je mets tout ce qui est au milieu cette fois-ci. Ah bah j'ai loupé là. Ok, c'est parti. Ah, ça a bugué. Ah, c'est un loup-garou. Et encore une Simette à la peau foncée. C'est étrange, je pense qu'il y a quand même un bug. Alors c'est pas mal d'utiliser ce mode-là, mais s'il y a des bugs. En plus, on peut même avoir des Sims surnaturels, ça je savais pas. Je savais pas du tout que par le mode histoire, on pouvait avoir des Sims surnaturels. Ok, je retente une dernière fois pour voir la couleur de peau de ce Sim. Et donc, ah ben voilà, lui il a la peau plus mate, on va dire plus claire. De toute façon, si vous passez par ce mode histoire, pardon, vous pouvez changer la couleur de peau par la suite. Mais je trouvais ça assez étonnant que 5 fois de suite, on ait eu des Sims avec des couleurs de peau très foncées. Voilà, c'est tout ce que je pourrais reprocher à la chose, c'est qu'il n'y a pas assez de diversité dans la finalité du mode histoire. Mais en tout cas, vous voyez que les histoires sont à chaque fois très très différentes et c'est ça que je trouve très intéressant. Encore une fois, c'est à utiliser si vous n'avez pas d'idées de jeu, d'idées d'histoire tout simplement. Le mode histoire est là pour ça, hein. Par exemple là, Rebecca qui est adorable, eh bien on pourra s'amuser, voilà, à voir sa carrière politique, où est-ce qu'elle en est. On pourra s'améliorer au niveau du violon ou voir si elle est carrément au niveau 10. On pourra avoir des nouvelles choses, des nouvelles opportunités avec la compétence comédie. Pourquoi pas lui faire changer complètement de vie grâce à ça. On a les fonds de départ qui sont élevés. Enfin bref, je trouve ça super intéressant. Parce que lui, le dernier qu'on a pris, par exemple, regardez, il est complètement différent. Il est plongeur de métier, il a la compétence comédie, la compétence pêche. Et il a les fonds de départ standard. Elle, par exemple, elle est sans emploi, donc on peut vraiment partir de rien. Elle, elle est dans l'éducation. Lui, il est pêcheur de métier. Et elle, elle était criminelle. Donc voilà, je trouve que c'est un panel assez intéressant si vous n'avez pas d'idée pour vos Sims. Mais à voir s'il n'y a pas un bug avec la couleur de peau. Mais de toute façon, vous pouvez la changer, voilà. Si ça se trouve, vous aurez un bug avec que des Sims de peau très très clairs, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai apprécié de redécouvrir ça. Et il y a énormément de questions maintenant avec les packs qui sont sortis. Je me souviens que quand le mode histoire est sorti, on se plaignait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions. Là, vous avez vu, avec tous les packs, il y en a énormément. On peut même faire des Sims surnaturels. On a eu une loup-garou. Donc voilà, c'est assez incroyable. Et je recommande, si vous n'avez pas d'idée, encore une fois. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !